Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Il est 5h27 du matin. On est parti pour une longue journée. Bon, comme vous avez pu le voir à mon avis, dans le titre de la vidéo, on est parti pour les quarts de finale des championnats de France de cross-country qui vont avoir lieu à Oloron. Et pour ces quarts de finale, ben, je vais être aligné sur cross-court avec une équipe, vous allez voir, de choc. Ah, quel plaisir. 6h15 dehors dimanche matin. Pas faire mieux. C'est bien calme ce matin. Bon ben voilà l'équipe, il est 9h18, on est arrivé. À Oloron, voilà, on avec peut pas sortir du bus. 2 heures d'avance, voilà. On dit bonjour. On va crever, il fait actuellement ouais, moins 2 degrés je crois. Motivé Hugo? Ça va. Ouais, ça se voit. Après son cappuccino. Alors, ce trajet? Tranquille hein, on a bien profité du trajet. J'ai bien conduit? Ouais, ça va, franchement. Chauffeur de qualité. Et ouais. Eh. Première expérience avec ta lance en tant que conducteur, là, on est pas mal. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire un cross. Ouais, non, mais. Un cross. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le repérage. Repérage, c'est parti. Parce que sur la boule d'arrivée, on. T'as un dentier à refaire. Non, c'est marrant, on a rendu ça. C'est marrant quoi. Ouais, c'est des petits. Ouais, c'est sympa. C'est un bon système. On est là hein. La difficulté c'est qu'ici. Ouais, là, il faut faire assez gaffe. Ah oui, là c'est sympa là. Ah oui, par contre quand tu descends là, waouh. Là faut pas aller trop vite. Hop. Ah, il fait froid, par contre, c'est très très froid. Deux épaisseurs. Non, il y a que un perpi qui fait chaud. Bon, un petit mot là quand même. Non mais tranquille, on verra, il fait ça qu'il fait un peu froid, moi j'ai pas trop l'habitude. J'ai un mec du sud. Et ouais, sportif, on est parti pour l'échauffement. Ce cross-court avec la team et juste devant. Il fait pas du tout chaud. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, ils ont l'air chauds, donc je pense ça va être cool. Bon, du coup, si on fait un récapitulatif du parcours, c'est une petite boucle. Une grande et l'arrivée. Et l'arrivée, ok. 3 km 900. Exactement. Ok, bon, normalement ça devrait aller vite. Allez les gars, allez. Allez les gars, c'est super ça les gars, allez. Et Alexis, allez. Allez Alexis, allez, allez. Allez Alexis, allez. Allez, montez bien, allez, tu t'arraches. Allez Hugo, c'est bien, allez. Allez Hugo, allez, allez. Allez relance mon gars, allez, allez, allez. Allez Thomas, allez, allez. Allez Thomas, allez, Thomas, allez. Allez c'est dur Thomas, allez, vas-y fonce, allez, allez. Allez mon polo. Allez mon polo, c'est bien là. Allez Polo, allez Polo. Allez, 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 allez. Allez Lucas! Allez bébé! Allez mon gars, allez! Allez Lucas, c'est la race! Allez, allez! Podium de la catégorie espoir de la course transport masculin! Bravo les gars! Bravo les gars! Bien joué mec! Bravo les gars! Bon voilà, fin du cross. Fin du cross avec la team. Je suis fracassé. Alors, bah le cross dur quand même hein, parce que ça bombarde. Ouais. Et mais bon plaisant, soleil, tout bah, ça. Là, bien, et puis avec les potes quoi. Avec les potes. Troisième de la course le Cid. Hein. Putain, il est chaud. Ah, ça va, c'est bien passé pour la team. C'était cool. On a bien profité, enfin bien profité. Entre guillemets, c'était dur. Moi, je pense qu'on n'entend rien du tout à ce que je dis, ouais. On est avec Hugo. Donc on fait 14 et 15 du coup et juste devant moi. Bon, on a fait ce qu'on pouvait. C'était pas forcément simple mais bon, on a donné le max. Maintenant on va essayer de faire un peu mieux pour les demi-finales à Bressure, c'est ça Bressure?
Exactement, ouais, c'est ça. Sûr. Demi-finale. Demi-finale dans 3 semaines. Donc en espérant être un peu plus en forme. Mais aujourd'hui déjà c'était pas mal. Fait ce qu'on peut, quoi. On a fait ce qu'on a pu, quoi. Fait ce qu'on a pu, voilà, c'est ça. Bon, comme vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup d'images du cross. En même temps, c'était un cross court. Et on a Maxime qui s'est planté au niveau de la caméra. Il a pris une photo au lieu de prendre la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'images. Mais bon, déjà, on a quelques images. Merci déjà, Max. Yo la team. Donc là, on est pour le cross long de monsieur Maxime Ricci qui passe devant nous. Et nous sommes accompagnés du petit... Thomas, voilà exactement, c'est toujours mon nom, ouais, c'est toujours ça. Bon, voilà les sportifs, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like en dessous de cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour un nouveau cross, les demi-finales des championnats de France, qui auront lieu dans 3 semaines, à vrai sûr. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao!